Bonjour, je m'appelle Achille Merzoug et du coup je me suis inscrit dans ce projet parce que je voulais à la fois faire quelque chose de concret pour mon projet et aussi parce que j'étais attiré par l'Antiquité et l'aspect historique qui est derrière ce projet. Hi, so my name is Achille Merzoug and I registered to that project because I was interested in history and I wanted to something concrete to realize. En simplement faisant tourner bon, l'un ou l'autre, hein, ou les deux barillets, on les fait tourner et les chevaux, bah, on le met légèrement en tension. C'est un petit peu comme vous avez dû faire ça déjà avec des élastiques, là, vous faites tourner votre élastique et puis vous mettez un stylo là. Bonjour, moi c'est Colin Aubonnet et je travaille sur ce projet car je suis intéressé par la diversité des acteurs mis en jeu. Hi, I'm Colin Aubonnet and I wanted to work on this project to work with as many actors as possible. Ça coulisse plus très bien. Enclenche-le. Vas-y. Comment là, tu laisses tout seul. Ah ouais, c'est bon. Et là, tu. Ah, il a le fait. Bonjour, moi je m'appelle Arthur Floix et j'ai choisi de travailler sur ce projet de baliste parce que je suis intéressé par à la fois l'aspect historique que j'ai envie de découvrir et le fait de travailler sur quelque chose de concret, de palpable, de pouvoir voir quelque chose de mécanique en mouvement. Je trouve ça intéressant de travailler sur ce sujet-là. Hi, my name is Arthur. I'm going to work on that project of ballists because I'm interested in working on something concrete, a mechanical piece, and I'd like to discover this historical aspect that I don't already know, and I want to discover new things. Bye! En partant du principe qu'on projette notre boulet à telle distance, il peut revenir en trou nécessaire sur chaque brin, sans comparer avec les tendons, avoir juste avec nos cordes de raquette. Oui, oui, ça peut s'essayer, mais le souci, c'est comment, disons, ramener la longueur de projection, comment la relier, en gros, à votre coupe de torsion. Alors bonjour, je m'appelle Antoine Blachier. Donc moi, voilà, j'ai pris ce projet, j'ai choisi ce projet parce que l'aspect historique m'intéresse vraiment. Et aussi, j'adore tout ce qui est l'aspect concret de ce projet. C'est quelque chose qui est vraiment palpable. Hello, my name is Antoine Blachier and I've chosen this project because I'm really interested by the historical aspect and that's why this project is really interesting me. Bonjour, je m'appelle Daniel Ogieski. Alors moi j'adore d'histoire et pouvoir recréer concrètement une arme qui a servi historiquement, ça m'a beaucoup intéressé. Hello, my name is Daniel Ogieski. I always been interested in history and the Roman one. And to be able to recreate a weapon from these times is very interesting for me, so I chose this project. Bonjour, alors moi c'est Matteo Appio. Donc moi je me suis inscrit à ce projet parce que, ben, comme tout le monde, j'étais vachement intéressé par l'histoire romaine un peu plus jeune et du coup ça m'a permis de replonger dedans. Et pareil, je trouve ça super intéressant de créer vraiment quelque chose de concret et de voir l'aboutissement de ce qu'on a pu faire. Hello, my name is Matteo Appio and I joined this project because I loved Roman history when I was younger and so I want to work on it, and I also find this project very interesting, and I want to see the end and the conclusion of this project.